Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Je viens de recevoir ça. On ouvre ensemble, je vous en parle si c'est ce que je pense. Forcément, avec les colis, on ne sait pas toujours. Et vous allez comprendre ma logique. C'est parti pour ce petit unboxing en live, comme d'habitude, en live. Tu vois, avec moi, ça veut dire en direct. Mais ce que j'appelle en live, moi, c'est qu'en fin de compte, je ne prends jamais le temps de faire quoi que ce soit d'autre avant de déballer pour vous. Je déballe vraiment devant vous, comme ça, je découvre avec vous. Il n'y a pas de traficotage, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien, c'est du live. Ouais, c'est ça, méga oreille. C'est un système de vision nocturne. Alors en soi, ça ne m'intéresse pas énormément de vision nocturne, parce que tiens, en appartement, comment vous dire, l'électricité, ça sert à quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, moi, pardon pour les bruitages. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il fait la fonction nuit-jour. C'est-à-dire que je vais enfin pouvoir faire un truc que vous voyez sur certaines vidéos et que moi je veux pouvoir faire, c'est filmer mes tirs, qu'on puisse voir ce que je fais avec quand je vise, les impacts, etc. Que ce soit un peu mieux que quand je mets ma caméra au bord de la cible, de travers et compagnie. Ça va me permettre de vous amener de nouvelles images. Regardez-moi ça. Alors franchement, déjà le package est superbe. J'imagine que ça c'est un petit cache pare-soleil, quelque chose du style. Et voilà, il y a tout un tas de trucs là-dedans. Oh la vache, ils ont même mis du camouflage. Bah dis donc, alors ça c'est. Je m'attendais pas à ça. Système de fixation. Ça respire la qualité. Ça respire aussi le plastique. Le bon petit plastique chinois tout neuf. Un petit bout de bulle, je ne sais pas pourquoi faire. Ça devait être pour caler l'ensemble. La partie qui nous intéresse. Encore un système de fixation, je ne sais pas comment ça marche. Oh, bah dis donc, il y en a des pièces là-dedans. Alors, bien sûr, je vous ferai une vidéo de l'installation, etc. Là, c'est juste pour la présentation et tout va s'enchaîner. Dans cette vidéo, vous allez avoir aussi le montage, enfin tout ce qui va bien. Je ne vois pas l'intérêt de vous présenter ça si derrière, je ne vous explique pas comment monter pour ceux qui seraient intéressés. Bah, en fin de compte, on a deux fois la même pièce, qui n'ont pas tout à fait le même diamètre, avec une clé Allen. Ah, attendez, je ne sais pas si j'ai bien tout. Pardon, on remet ça un peu mieux. Voilà toutes les pièces que tout ce que j'ai là-dedans. Un petit mode d'emploi. Franchement, niveau package, j'ai rien à dire. Hein. C'est bien emballé, bien protégé, ça fait sécure. On n'a pas l'impression d'être pris pour une quiche. Un mode d'emploi en anglais. Donc ça au moins, bah, ce que je redoutais, c'est que ce soit genre chinois. Vous voyez ce que je veux dire? En anglais, ça va le faire. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Il y a beaucoup de pièces, je pense. Mais ça ne veut pas dire que ça va être galère à monter ou quoi que ce soit. Ça, par contre, on va lui donner un petit coup de main. Ah ouais, la caméra. Super. Franchement, ça fait très qualitatif. Hein. Je vais vous le dire, regardez ça. Ça fait vraiment, vraiment qualitatif. En aluminium, très très beau, rien à dire. Interrupteur vraiment vraiment propre. Qu'est-ce que je dis? C'est pas la caméra, pardon, c'est l'éclairage infrarouge ça. Et la caméra, elle est là. Et c'est exactement ça que je recherchais. Vous voyez, c'est cette chose que je vais pouvoir fixer sur mon optique de tir. Et comme ça, bah, vous allez voir mes tirs. Ça va me changer la life. Le petit écran qui revient. Vraiment, c'est qualitativement parlant, il n'y a rien à dire. C'est super bien fait, hyper bien emballé, ça fait propre, on n'a pas l'impression d'être pris pour des quiches, quoi. Toutes les connectiques, tout ce qui va bien. Derrière, alors vous voyez, il y a plusieurs modes. Vous avez des boutons de pilotage ici, là, qui vous permettent de pouvoir choisir ce que vous voulez faire. Vraiment, j'ai hâte de le tester parce que ça. Bah, l'aspect qualitatif, franchement, est là. C'est pas un truc qui coûte excessivement cher. Hein, j'en ai pour une soixantaine d'euros. Donc, je suis vraiment super content. J'ai qu'une hâte, c'est de le monter et de le tester. Donc, les images, bah, tout de suite, comme d'habitude. Donc, maintenant que j'ai sorti tous les éléments du Mega Oreille 2, bah, on va passer au montage. Ce système est un utilitaire de vision à la fois nocturne, mais surtout qui permet de filmer à travers sa lunette de tir.
C'est ce qui m'intéresse. Vous voyez, c'est ce truc-là qui va être monté. Je vous explique 2-3 bricoles. Ce unboxing est un peu long. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les batteries qui sont fournies avec. Donc j'ai dû les commander. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description un lien sur le site d'Amazon qui vous permet d'obtenir pour 17€ 4 batteries et une torche. Donc je me suis dit, ça valait le coup. Plus après, il faut commander un chargeur. Mais l'air de rien, j'ai enfin ce qu'il faut pour pouvoir brancher tout ça et le faire fonctionner. Ça, c'était dans la boîte. C'est du scotch de camouflage, enfin un espèce de ruban de camouflage, là, vous savez, regardez, je vous fais voir, ça se recolle, ça se décolle, c'est génial. Je compte en mettre un petit peu au bout de mon optique ici, pour ne pas l'abîmer, parce que si vous regardez bien là, j'essaie de vous faire voir ça, voilà, ce sont des petits pas de vis en métal, donc j'aurais paniqué cette partie-ci sur ma lunette, tout simplement. Donc là, j'ai procédé au montage, et pas en filmant, parce que ce n'est pas hyper intéressant. Mais je reviens vers vous dès que c'est prêt. Et voilà les images, comme d'habitude, tout de suite. Voilà, le montage est fini. Ça, c'est fait, comme disait l'autre. Donc, regardez ça. L'écran, le système de caméra. Franchement, c'est vraiment bien pensé. Hein. Le truc un peu chiant, c'est en fin de compte, comment bien placer la caméra pour avoir une image qui tient la route. Par contre, le rendu est là. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais tirer pour la première fois avec et filmer, voir ce que ça donne. Bien sûr, vous aurez les images dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est le Mega Oreille 2. C'est une version qui permet de faire aussi bien du tir en nocturne qu'en diurne. Jour-nuit, si vous préférez, c'est ça qui m'a plu. Vous pouvez enregistrer des vidéos, faire des photos. C'est très sympa. Regardez, il y a des petits boutons derrière qui vous permettent de tout gérer. Je vous ferai une vidéo plus complète sur le produit une fois que je serai bien le maîtrisé, etc. Là, c'est ma première fois, donc pour l'instant, je ne parle pas trop. La suite, là, les images. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. C'était Airpadawan et à bientôt. S'il y a de l'audio, là, je vais faire mes 2 premiers plombs. Je suis plutôt content du résultat. Vous avez même vu que j'ai pu zoomer, etc. avec l'optique. Et là, je vais essayer de couper la corde que mon fils m'a mis. Le truc que vous voyez là, avec les gobelets, là. C'est une invention de mon fils, c'est un challenge que j'ai à faire. Ah regardez ça, en plein dedans. Oh, c'est génial, on peut trop voir. Je suis hyper content de cette petite acquisition. Merci AliExpress, merci Mega Oreille 2, parce que franchement, votre produit est excellent de qualité, j'en reviens pas. Oh, c'est génial à tirer. Oh, c'est trop puissant quoi. Alors quelque chose me dit qu'il va falloir que je refasse le zéro de ma lunette un peu, parce que vous voyez je tire haut. J'ai dû bouger la lunette un tout petit peu pour pouvoir mettre le système de support de la caméra. Alors ça fait vraiment très très bizarre de tirer comme ça. Hein. C'est particulier. Mais c'est génial. Airpadawan, j'espère que cette petite vidéo de présentation du Mega Oreille 2 vous aura plu. Vraiment, pour le prix, je suis bluffé. Hein. Quand même, une 60aine d'euros, faut pas délirer, c'est excellent comme produit. En plus, il faut que je vous fasse la version nocturne. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le diurne. C'était surtout pour pouvoir faire ça, de filmer. Bon, alors, désolé pour le mal de mer. Ah. Allez, je vous dis à bientôt sur Airpadawan.